Les ondes de chat, vous avez des bons modèles de chaise gaming. Moi, je vous conseille. Allez, si vous voulez une chaise rigide, Quarzus, et une chaise custom pour le dos, mais moi, comme ma tête, comme le truc de la tête, il me gêne, je l'enlève. Vous voyez même pas qu'il y a marqué Stardust dessus. Et sinon, AK Racing. AK Racing, c'est top. Point de chaise Klim. Bah, en vrai, Klim, ils ont la pire. Ils ont la. Je pense que c'est la marque chinoise la plus cheap européenne, en fait. En fait, c'est la seule marque chinoise européenne qui existe. C'est-à-dire que quand t'achètes un truc en contrefaçon chinoise, c'est du Klim. Bah, en fait, Klim, c'est de la contrefaçon chinoise, hein, tout simplement. Vendu à un prix cassé en Europe. Mais en fait, c'est vendu sous une filiale européenne et pas sous une filiale chinoise, tu vois. C'est les seuls qui ont assez de couilles pour vendre ça comme un matériel gaming, alors que c'est clairement le truc de contrefaçon où tu sais que tu vas juste gagner 10 balles et que tu auras un truc qui va fonctionner, voilà, tu vois. Même si ça va te niquer les oreilles à terme et que ça te fera mal, genre, Klim, c'est vraiment ce genre de truc. C'est vrai que c'est les moins chers du marché pour avoir un casque micro. Ah bah, top 2 des ventes casque micro sur Amazon, 33€ casque micro. Vous imaginez bien qu'à ce prix-là, tu peux pas espérer avoir un truc qui est bien, mais ça vaut son prix, ça vaut son prix. Il faut une marque comme ça, ce business, et je pense qu'ils sont pas mal dessus. Après, pour se faire des thunes comme ça, il faut évidemment faire beaucoup de pubs, hein. Mais moi, je vous conseillerais jamais d'acheter ça. Parce que le problème, c'est qu'en fait, moi, mon père m'a toujours dit, pareil, parmi les trucs que mon père m'a enseigné, il m'a dit il vaut mieux acheter des choses de qualité parce qu'elles te tiennent plus longtemps et qu'à la fin t'auras gagné de l'argent. C'est-à-dire que il faut pas te dire que tu perds de l'argent à acheter quelque chose de qualité. Il faut que tu te dises que ça va durer dans le temps et qu'en fait tu n'auras jamais à racheter mieux parce que dans ta vie t'auras forcément des moments où tu te diras ah putain j'ai envie d'avoir une meilleure souris, j'ai envie d'avoir un meilleur casque. Ah maintenant que je suis étudiant je vais pouvoir me payer un bon casque. Et en fait à force de dire oh je vais faire la contrepartie d'acheter un casque à moitié bien parce que pour l'instant j'ai pas autant d'argent à mettre dedans. Mais en fait le problème c'est que plus tard tu vas vouloir acheter un casque meilleur. Et t'auras dépensé de l'argent dans le vide et tu seras baisé. Et là je te parle pour le bon matos. Mais maintenant si tu parles tout court, il y a des gens, faut te dire qu'ils vont acheter un truc de merde qui va être cassé dans un mois et qu'ils auront l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Alors que non, ils vont devoir en acheter 10 de leur produit parce qu'il sera cassé. Et ça c'est important. C'est pour ça que je vous conseillerais jamais d'acheter Klim. Enfin voilà, si vous voulez dans la même optique que moi, n'achetez jamais Klim. Après si vous avez besoin d'un bon casque micro pour vraiment pas cher, et bien achetez Klim. Mais je vous conseille vraiment moi de mettre de côté un peu d'argent et de préserver vos oreilles. Parce qu'en fait le problème c'est que là vous faites un. Alors encore une fois dans l'optique de calculer l'espérance de bonheur total de ce que ça va vous générer. Ah oui, vous allez économiser des thunes, vous allez être moins en dette, vous allez pouvoir mieux manger ce mois-ci. Mais le blême, c'est que vous allez abîmer vos oreilles en fait, parce que vous allez porter un truc qui aura un son dégueulasse. Vous allez pas entendre la vraie musique, vous allez pas entendre les vraies choses. Et puis surtout, vous allez faire rager vos potes parce que votre micro fera tellement la merde que vous allez les rendre fous. Et donc le bonheur, le malheur généré chez vos amis qui vous écouteront sur Discord, bah sera la somme totale sera négative. Après, si vous en battez les couilles de vos potes et que vous en battez les couilles d'avoir un bon casque, bah là vous pouvez acheter Klim. Donc pour acheter Klim en gros, il faut ne pas voir à long terme, être vraiment en dèche sur le moment T et avoir des potes dont vous en avez rien à foutre. C'est les trois conditions à réunir pour acheter Klim. Et donc là je peux faire une bonne pub pour Klim, parce qu'il y a peut-être des gens concernés. Sauf que le malheur, ça n'enlève pas de l'argent. Oui, mais bon. Arrête de réfléchir comme ça, c'est pas logique. J'ai entendu dire qu'à la base, Klim, ils faisaient des bonnes chaises. Qu'à la base, c'est une marque de chaises en fait. Qui a voulu s'expandre, mais j'ai pas pu tester leurs chaises. Et je crois que leur chaise est au même prix que les autres chaises gaming. Donc autant acheter les autres chaises gaming. Non, parce que pour moi, si Klim à la base c'était une bonne marque de chaises, ils ont juste entaché leur réputation en faisant du low cost. Et du coup, ils peuvent pas vendre un matériel de qualité sur des. Alors même si leur chaise c'est de seule qualité, hein, j'ai pas vérifié, mais voyez naturellement, Klim, j'associe ça à sous-marque chinoise pour avoir un matériel low cost à des très bons prix. Mais du coup, je peux pas me dire que je vais acheter une chaise chez eux pour 300 balles. Je me dis, mais attends, mais si leurs chaises sont à la hauteur de leur casque, qu'est-ce qu'elles sont à faire? Le truc, c'est que c'est le cas en fait. C'est pas le cas, mais je vais inconsciemment dire ça. C'est pour ça que quand une marque fait des choses de bonne qualité, elle a pas le droit de changer d'un coup de. Elle peut pas s'arrêter de faire de la bonne qualité là. Même si ça leur coûte très cher à faire. Je sais pas, par exemple, iPhone, demain ils font un petit truc de merde low cost, bah ils passeront pour des connards en fait, Apple. Même si, encore une fois, voilà. En fait, Apple, ils se sont par exemple placés sur la recherche et développement. S'ils font pas un truc innovant, mais ils pourront pas vendre leurs produits. iPhone, c'est pas de la bonne qualité, mais c'est précurseur en fait. Ils seront toujours en avance sur leur temps. Ce sera jamais un bon rapport qualité-prix, mais ils seront toujours en avance sur les autres marques. Parce qu'ils ont tout leur budget qui part en recherche et développement en fait. Il y a des marques qui se placent sur certains domaines, et si demain, bah, iPhone fait moins cher que les autres quelque chose, mais qu'il y a aucune innovation, bah t'auras les pigeons Apple qui vont acheter, mais les gens en cas d'innovation, ils achèteront pas. Donc t'arriveras pas à vendre un produit Apple en faisant quelque chose que les autres font déjà en moins cher. Pour moi, ceux qui se placent dans ce domaine, dans la qualité pour un peu moins cher, par exemple, c'est OnePlus. OnePlus, ils font ce que font les autres pour beaucoup moins cher. Samsung, bah, ils se placent en concurrent de Apple, ils sont tout le temps un petit peu en retard et un petit peu moins cher. Voilà, et c'est qualitatif. Mais aujourd'hui, pour moi, ce que fait Samsung, OnePlus le fait en mieux en fait. Parce que c'est même qualité pour prix moins cher. Mais OnePlus sera jamais meilleur qu'Apple dans l'innovation. C'est impossible. Ils te vendront ça comme de l'innovation, mais c'en est pas. Mais en tout cas, le budget recherche et développement de Apple, c'est un délire. Ouais, enfin, en ce moment, leur innovation, c'est vraiment léger. Bah ouais, maintenant, il y a plus vraiment. C'est ça le problème en fait. C'est pour ça que je pense que le marché va être. En fait, maintenant, c'est plus un outil de mode en fait. Il faut le vendre comme un outil de mode design. Et ce qui fait que leur iPhone X est vendu, c'est le fait qu'ils aient. Alors, la dernière innovation de l'iPhone, et ce qui fait que leur truc s'est vendu, c'est qu'ils ont réussi à mettre les branchements de leur écran derrière l'écran en fait.
Je sais pas si vous vous rendez compte. En fait, ça, c'est un truc de fou. Hein. En fait, on parle, on dit, ouais, iPhone, leur écran, il fait tout le truc, c'est trop marrant et tout, on a les doigts sur le truc. Mais en fait, vous comprenez pas que physiquement parlant, faire un écran où tous les pixels sont reliés à quelque chose, mais où il y a un fil qui alimente l'écran, qui est sur l'écran, donc à un endroit où il y a déjà des pixels, c'est assez incroyable en fait à faire. Moi, je jette pas un iPhone, je m'en bats les couilles. En fait, rien que cette innovation là se suffit elle-même en fait. Après, il y avait le truc, il y avait le Face ID aussi. Non, vous pouvez pas dire ça. iPhone X, il y a Face ID et il y a l'écran, l'écran qui est alimenté sous l'écran. Rien que ces deux trucs là sont insane. Le truc, c'est que là, vous parlez de problèmes, mais les iPhones peuvent avoir tous les problèmes du monde. Tant qu'ils viennent avec des innovations, c'est bon en fait. À partir du moment où les iPhones arrivent avec des innovations, même s'ils ont la pire batterie du monde, même s'ils se cassent en une seconde, même s'ils ont tous les défauts du monde sur le reste, bah ce qu'on voit, c'est l'innovation et on achète pour l'innovation sans vérifier que bah, le reste fonctionne en fait. Tu vois, le Nokia 3310, son innovation c'était qu'il était incassable alors que c'était un téléphone portable, alors qu'avant c'était fragile, tu vois. Bah, cette innovation elle a disparu, c'est plus une innovation, c'est plus ce qu'on demande à un téléphone, on s'en bat les couilles. Quoique maintenant, aujourd'hui, t'as des écrans. Moi, mon OnePlus, j'ai fait tomber des milliards de fois, il est pas cassé. Eux, ils ont gardé cette innovation, mais iPhone, au profit de plein d'autres innovations, va jeter d'autres innovations en fait. Et ça pue la merde. OnePlus, ça reste cher, non, franchement. Ah oui, ils ont une marge de ouf, hein, comme tous les téléphones, mais. J'ai un S7 à 430 balles, c'est le meilleur investissement de ma life, c'est un bonheur. Bah, les téléphones, c'est cool. Moi, j'étais content de mon OnePlus 5. Mais là, j'aurais bien aimé me faire offrir le 6. Je fais beaucoup de pubs à OnePlus, no joke. J'en fais beaucoup de pubs parce que depuis le OnePlus 2, j'ai un OnePlus en fait. J'ai eu 2, 3, 5. Et j'ai toujours conseillé aux gens de prendre des OnePlus. Il y a peut-être mieux, hein, sur le marché, mais je trouve cette marque, elle est. Je la trouve. En fait, j'aime bien comment elle se place un peu. Un peu hipster, un peu qualité, un peu. On va à l'essentiel quoi. Vitesse de charge, qualité de l'appareil photo et performance graphique. Voilà, tout simplement. Pas de chichi, rien. Juste le nécessaire. Design très épuré, même si c'est copié sur d'autres, on s'en bat les couilles. Design très épuré, tout est simple. Et voilà, tu payes ce que tu dois payer et t'as un truc de fou quoi. Mais ouais, du coup, j'aurais bien aimé me faire offrir un OnePlus 6. En fait, si vous voulez, à un moment donné, no joke, hein, pour vous dire à quel point je suis un fils de pute, hein. Pour vous dire à quel point je suis un connard. En fait, je venais de m'acheter un OnePlus 5 et pas longtemps après que le OnePlus 5 soit sorti, il y a le OnePlus 5T qui est sorti. Et en fait, il y avait une campagne de pub pour le OnePlus 5T. Et en fait, il y a un mec qui bossait pour OnePlus qui m'a contacté, qui m'a dit ouais, est-ce que ça t'intéresse contre un tweet ou deux, on t'offre un OnePlus 5T. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? Mais vous voulez savoir ma débilité ou pas, ma naïveté dans l'univers? J'ai dit ah ouais, mais j'ai déjà un OnePlus, ça sert à rien, je vais pas m'en servir. Parce qu'en fait, j'ai calculé que ça me changerait rien de changer de téléphone. Et que c'était pas worth de faire une OP en fait. Voilà. Donc là, ma mère m'a insulté mes mœurs parce qu'elle voulait le téléphone. C'est pour vous dire à quel point je suis con, mais bon, on est pour rien les amis.